Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, je vous propose un entraînement assez intensif de gainage. En 10 minutes seulement, on va bien travailler seulement avec 3 exercices. Déroulez vos tapis, on est parti. Vous savez certainement que je ne suis pas du tout fan des longues séries de gainage où on essaie de tenir plusieurs minutes. Je trouve qu'il vaut mieux essayer de tenir 20 secondes 3 fois, donc pour tenir une minute, que tenir une minute où on commence à relâcher les muscles, avoir une mauvaise position et où du coup on n'a plus tous les bénéfices de bon gainage. Donc mon premier exercice, ce sera le gainage sur les avant-bras. Je vais donc bien me placer. Je place mon bassin, hop, ma colonne est étirée, je souffle et mon ventre est rentré pour me placer. Je descends sur les avant-bras, soit vous restez avec les genoux au sol, soit on va essayer de retendre les jambes. Ok, on est parti. Donc, les épaules sont en place, mon ventre est super bien rentré. Et je maintiens. 20 secondes, top chrono. 1, 2. Ok, donc j'essaie de garder mon ventre bien rentré. Je me repousse bien. Donc, vous vraiment tout le temps tirer le nombril. On ne restera pas super longtemps. Donc, on essaie de vraiment le tenir. 14. 15, puis que 5 secondes, on ne lâche pas, tire le nombril au maximum. 20, on repose. Hop, je repose vraiment un tout petit peu, puis je reprends. Vous pouvez faire avec la contraction du périnée si on veut en starter. C'est reparti, top chrono, 20 secondes. On se repousse bien, on tire le nombril, on se grandit. Si vous commencez à sentir une douleur au niveau du dos, vous posez les genoux, vous vous repoussez au maximum et vous rentrez votre ventre. Il faut vraiment que ce soit ça la sensation que vous avez. C'est vraiment ce ventre qui rentre. On essaie de faire remonter le nombril, remonter le plancher pelvien. 17, 18, 19, 20, je repose. Dernière série, on est parti. Placement de bassin, repousse. Top chrono. 2. 3, allez, on ne relâche pas. On sent quand même que le gainage, c'est un travail global. Hein. Le ventre, le dos, les épaules, on ne lâche pas. Tire le nombril au maximum. Il faut vraiment tout le temps être concentré sur le ventre, le périnée. On n'oublie pas de respirer. 20, et on repose. Ouh, voilà, la minute est déjà passée. Vous avez vu que le temps de repos est petit. Vous pouvez reculer les fesses plus fort si vous voulez ou prendre un temps de repos un petit peu plus grand. Le deuxième exercice, ce sera le gainage latéral. Hop, je me place de côté. Soit vous gardez le genou au sol, soit vous retendez les jambes. Donc comme ça, vous avez vraiment un niveau. Et même si vous choisissez le niveau plus important, pas de souci si vous sentez que ça devient trop dur, on repose le genou. Ok, on va être parti. Mon pied de la jambe du dessus est devant. Je me repousse bien, toujours bien poussé sur les appuis. Prêt? Expire, grandis. On monte. On est parti 20 secondes. Le bassin est bien placé. Hop. On essaie de ne pas crouler en avant ni crouler en arrière. Votre bras est vraiment dans le prolongement de votre épaule, donc on ne va pas chercher loin derrière. Et surtout, on ne se relâche pas. Ok. Là, vous savez sentir aussi l'épaule. Allez, on tire le ventre. On est quand même là pour le gainage aussi. Hop, on repose un petit peu, les 20 secondes sont déjà passées. On est reparti. Ventre. C'est parti. 20 secondes, je me repousse. Tire le nombril, grandis-toi au maximum. On essaye donc de venir chercher les abdos vraiment en tirant vers le haut. Souvenez, le transverse inférieur, la partie du bas, on saura la voir en respirant et en tirant vraiment tout le ventre. C'est bien long. On se repousse, on ne lâche pas. Et ben, on repose. Il nous reste une seule série à faire. Ok. Si vous voulez, vous pouvez retendre le bras. Maintenant, ici, l'idée, c'était quand même de faire tout sur les avant-bras. Ok. Ready. On est reparti. En retend. Ok. Avec un pied devant l'autre, vous avez plus de stabilité. Vous pouvez aussi mettre un pied sur l'autre. On garde le ventre bien rentré. On n'oublie pas de respirer. Vous allez sentir, ça commence à chauffer ici en dessous aussi. C'est vos obliques aussi. On se repousse fermement dans le sol. 14, non, 18, 19, 20, c'est déjà fini. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, oui, ça avance vite quand même. La jambe du dessus, donc je prends soin de la mettre devant. Si je la mets là derrière, je risque de cambrer. Mon épaule est bien au-dessus de mon coude. Je me repousse. Prêt, c'est parti. Hop, top chrono. 20 secondes, on se repousse. Allez, on vérifie le placement du bassin. On ne lâche pas le ventre, on se grandit au maximum. On veut toucher le ciel avec la main. Vraiment important d'aller chercher vraiment toutes les couches d'abdos pour un bon gainage. Donc vraiment
étirer, faire rentrer au maximum. 20. On repose. Prêt, deuxième série. Hop, on monte. Allez, on maintient, vous maintenez avec moi. 20 secondes. On respire plus dans les côtes. Allez, toujours se grandir au maximum. Tire le nombril. C'est vraiment l'effort, il est là aussi. Bien sûr, il est dans l'épaule et tout, mais on tire le nombril vraiment à l'intérieur. 20. On repose. Il nous reste une seule série à faire. Ok, c'est parti. Hop, le ventre rentre. Hop. Allez, on tient. Il faut tenir, le ventre bien rentré, le bassin bien placé. Vraiment le bas du ventre ici, vous arrivez à le rentrer aussi par l'autograndissement et parce qu'on tire les abdos profonds vers l'intérieur. Si c'est trop dur, vous posez simplement le genou. 19 et 20, c'est terminé. Voilà, on va refaire donc le cycle 3 fois en tout pour avoir 10 minutes à peu près de gainage. Ça fait 9 minutes plus le petit temps de repos qu'on s'octroie. Alors si c'est trop contraignant pour les épaules, vous le faites avec le bras tendu. Ok, on n'oublie pas que ce qui va compter, ça va être la position. N'essayez pas de tenir avec les jambes tendues si vous sentez que ça croule. Vous reposez les genoux au sol comme je vous l'ai proposé. Et si c'est trop difficile quand même, vous pouvez aussi surélever les mains. Par exemple sur des briquettes de yoga ou pourquoi pas faire le même exercice en appui sur la table de votre salon ou une chaise, donc quelque chose qui est bien stable où vous pouvez mettre les mains dessus et le coude dessus. Plus vous allez vous surélever par rapport au sol, plus ce sera facile entre guillemets, mais ce qui compte c'est vous, que vous adaptiez par rapport à vous. J'espère que ce petit entraînement vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt, pourquoi pas aussi sur Facebook et Instagram, et de toute façon ici pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.